Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement l'interview en fait d'Anthony, un de mes collaborateurs qui travaille sur notre agence à Tolstoï. Bonjour Anthony. Salut, salut Jérôme, salut à tout le monde. Tu vas bien? Ça va, merci. Et toi? Ouais, ça va très bien. Je te laisse te présenter du coup. Alors, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Anthony, j'ai 25 ans. Je suis dans la maison libre depuis un peu plus d'un an et je gère actuellement le secteur de la menuiserie, du sol et de la façade au sein de l'agence de Tolstoï. D'accord, très bien. Et comment se passe pour toi le confinement alors? Alors, le confinement se passe plutôt bien. Le temps commence à être un peu long aujourd'hui, mais ça annonce des jours meilleurs de toute manière. On n'a pas le choix, donc on laisse passer le temps et on a hâte de reprendre le boulot. D'accord, très bien. T'es sur Lyon actuellement? Non, je suis à Vienne chez ma copine. Très bien, parfait. Bon, tu connais le principe, je vais te montrer quelques photos, tu vas les décrire rapidement. C'est bon pour toi? Allez, c'est parti. Cette photo, elle représente pour moi une force également, une de nos valeurs. Je vais m'expliquer rapidement. Philippe, on passe régulièrement sur les chantiers voir nos intérimaires. On est proche d'eux, ça permet de mieux les comprendre et de mieux cerner leurs tâches quotidiennes. Pour le coup, ici, c'est Cardine, un de nos menuisiers les plus fidèles avec qui on travaille depuis plus de 10 ans. Très bien. Photo suivante. Alors, cette photo me fait bien sourire. C'est le début de mon aventure chez Lip avec mon cursus de formation au sein de l'école de la réussite. Elle allie à la fois mon changement de vie professionnel et une belle aventure humaine que j'ai pu suivre pendant 6 mois. Très bien. Et puis la photo d'après, c'est la finalité. Exactement, la continuité de celle d'avant. Une photo avec une bonne joie, une bonne humeur, avec l'obtention de mon diplôme. Et puis avec toi, Jérôme, qui m'a formé pendant tout ce parcours et ces 6 mois. C'était un plaisir. La photo sur Underfoot? Alors, c'est une nouveauté cette année. Là, on est devenu sponsor du club de football de LDA. Ouais. C'était lors du match contre OL avec la belle victoire 4-2 de la part de MDA. Alors, un très bon souvenir et puis comme tu peux le voir après avec une belle célébration de la victoire et des liens offerts par le club. C'est vrai que le club c'est très bien de nous recevoir et ça c'est une de leurs belles valeurs. Exactement. Ensuite, petite photo, la signature du CD intérimaire Ibrahima si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, tout à fait, avec Ibrahima. Alors, c'est une belle mise en avant du CDI intérimaire dans le monde de l'intérim. Comme quoi, nos clients nous font confiance et nous, de notre côté, on fait confiance à nos intérimaires en leur proposant des CDI, justement. Donc voilà, n'hésitez pas. Et pour tous les intérimaires qui regarderont cette vidéo, ils peuvent nous en parler éventuellement s'ils seront intéressés. Très bien. Et pour terminer, pour clore le spectacle, le tournoi de foot LIP. Ah, la définition parfaite de l'état d'esprit. Alors, LIP avait organisé un tournoi de foot 5 un samedi, alliant les collaborateurs LIP ainsi que les intérimaires. Très beau souvenir car malheureusement pour les autres et heureusement pour nous, on avait gagné le tournoi. Et puis, Jérôme, je crois que tu avais participé également à ce tournoi et tu avais été gardien ce jour-ci. Ouais, exactement. Avec une prestation de haut vol. On a ramené la coupe à la maison, c'est bon. Bon, merci à toi. Exactement. Je te laisse finir sur un petit mot pour parler un peu du confinement et puis de la continuité de ce qui va se passer, de ce que tu as envie de dire. Alors un petit mot pour le confinement. Je souhaite plein de courage à tout le monde pour finir ce confinement. De penser que ça va bientôt être fini et surtout qu'on va pouvoir retrouver une vie normale. Et puis pour la suite, que la réussite soit avec tout le monde et l'emploi c'est libre. Parfait, merci Anthony, à bientôt. Salut. Salut.